Tout monument habite son passé. En visitant tel château, nous discutons avec un témoin direct. Entre les pierres, les poutres et les douves, tout réverbère les temps glorieux. Un microclimat favorise les enchantements. C'est une plongée dans l'âge d'or, comme dans les contes et légendes. Une fontaine abandonnée, un carrefour dans les bois, un chemin creux, et renoue ce dialogue ancestral. Le paysage devient un état d'âme, une enveloppe qu'on ouvre de l'œil intérieur. Voici rassemblés des châteaux, pleins de duels et d'épreuves, mais aussi de grâces. Les légendes sont les perles de ces châteaux, enfantées par le sel de pierre, couvées de créatures chimériques qui se disputent leurs enceintes. Parfois, ces formes irréelles empiètent sur notre monde. Peut-être, sur l'une de ces photographies, trouverez-vous la silhouette d'un vieux dragon, d'une enchanteresse, ou de mains brûlantes, vous cherchant depuis des siècles.